Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de football. Le Canada a remporté le championnat du monde dans les dernières semaines. Aujourd'hui aussi avait lieu la pesée officielle du combat Stevenson-Williams. Notre reportage à ce sujet un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on vous parle de hockey. Plus particulièrement, un joueur de Québec a fait son hockey mineur ici même, a joué son hockey midget 3A avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Il joue en ce moment pour les Saguenayens dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a été repêché par les Prédateurs de Nashville en troisième ronde cette année. Voici notre reportage sur le défenseur Frédéric Allard. Donc Frédéric Allard, on est ici à Québec, dans ta ville natale, dans ton patelin. Tu y es revenu depuis peu. Est-ce que tu es redescendu sur terre depuis que tu sais que tu vas jouer dans la Ligue nationale d'hockey? Bon, mais c'est sûr que les premières semaines, tu étais sur un nuage. Tu t'en rends peut-être pas compte de ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'après une couple de semaines d'entraînement, là, je reviens à la routine. Puis je pense que je suis retombé sur terre. On te connaît comme joueur et défenseur des Saguenayens de Chicoutimi. On parle de toi, mais toi, tu te considères comment comme joueur de hockey? C'est quoi ta plus grande force comme joueur? Ça, c'est mes qualités premières, c'est ma vision du jeu. Je pense que c'est ça qui fait que je suis rendu en ce moment. C'est sûr qu'à des affaires améliorées, j'avais peut-être moins de la vitesse que les autres avaient, mais je me sentais tout à l'affaire avec ma vision et mes bonnes premières passes. Je pense que c'est pas mal ça qui sont mes qualités premières. Commencé à t'entraîner, tu as été blessé en séries éliminatoires. Comment ça se passe, le rétablissement de cette blessure? C'est sûr que ça a été plus difficile que prévu. Je me suis blessé game 6 à game 3 série. J'ai joué le reste des séries avec mes côtes fracturées. Je suis revenu à l'entraînement, je me suis refracturé, je pense, 2-3 jours après être revenu. Fait que là, en ce moment, je peux m'entraîner, mais sans charge, la course, les affaires de corps, des affaires comme ça. C'est dur pour le moral, mais au moins, je suis dans le gym et je suis avec les gars. Tu travailles uniquement le cardio? Le cardio, mais je peux faire des jambes, des affaires comme ça, mais sans mettre de charge sur mon dos. Sur quoi tu vas te concentrer, Frédéric, pour la prochaine saison avec les Sags? Bon, je pense garder le même style de jeu que j'ai joué l'an passé. Je pense à marcher comparé aux autres années d'avant, être plus dans le rush, des affaires comme ça. Ici, l'Université Laval, comment ça se passe ton entraînement estival jusqu'à présent? Bon, c'est sûr, c'est dur. Là. Les gars, ils ne laissent pas de journée de repos, d'affaires comme ça. Après 3 mois et demi de congé, les 2 premières semaines, c'était dur pour le corps. Mais là, j'en prends l'habitude de tranquillement pas vite. À quel moment tu penses faire tes débuts avec les Prédateurs de Nashville? Moi, je pense qu'il me reste encore une grosse saison junior, peut-être une ou deux années américaines. Après ça, avoir peut-être une chance pour les Preds. C'est sûr, je veux prendre mon temps, je veux me développer. Je veux pas faire les choses trop vite, mais quand ça va être le temps, je vais vouloir prendre ma chance, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il a impressionné le plus les dépisteurs à des Prédateurs? Moi, je pense que c'est comment j'ai pris un autre step, comme on dit dans le langage hockey, comparé à mon année d'avant. Je pense que 17 ans, ça a été une saison plus difficile pour moi. Vraiment pas eu les statistiques que je voulais avoir. Je suis arrivé l'an passé prêt à doubler ça comme j'ai fait cette année et être vraiment meilleur défenseur. As-tu ressentir une pression supplémentaire lorsque tu vas rejoindre tes coéquipiers, sachant que maintenant, toi, tu vas peut-être jouer dans la Ligue nationale? Non, pas vraiment. Je pense que dès l'an dernier, j'avais un rôle important et je savais que j'avais les spotlights sur moi. Fait que ça va juste être de garder la même attitude que j'avais. Tout le temps, je joue pour mon équipe et pas mon nom en arrière. Il y a deux nouveaux entraîneurs adjoints qui ont été nommés cette semaine chez les Saguenayens de Chicoutimi. Comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est le fun pour les gens de la région. Je pense deux entraîneurs de la région, un coachait à Jonquière, l'autre coachait, je pense, Pee-Wee, des affaires comme ça. Fait que c'est sûr, c'est du monde de la région. Ça va apporter plus de monde, de la fierté. Je pense que c'est ça qu'il y a des gens essaient d'apporter, la fierté de représenter le logo des Sags qu'on essaie de mettre aussi pour les nouveaux. Là. Fait que c'est ça que ça va nous aider là-dedans. Comment t'entrevois le fait d'éventuellement peut-être partager la glace avec un gars comme Piqué Souban? Moi, je pense que Piqué, c'est un modèle. Beaucoup de gens disent qu'en dehors de la patinoire, c'est pas un bon gars, mais je pense qu'avec l'affaire qu'il a faite pour les hôpitaux, les affaires comme ça, je pense que c'est un exemple à suivre. Autant sur la glace, détermination, des choses comme ça. Fait que quand je vais arriver au camp, ça va être un des gars que je vais regarder jouer pour apprendre des trucs de lui, c'est ça. Ouais, tu penses que ça pourrait être un mentor éventuellement pour toi? Oui, c'est sûr. Un gars comme ça, avec son lancé dans l'affaire qui peut nous aider à améliorer, je pense que c'est sûr que je vais prendre tes conseils. Exact. Alors, le tir est vu! Vendredi soir, au Centre Vidéotron, Adonis Stevenson affrontera Thomas Williams Jr. en combat de championnat du monde des WBC en mi-lourds. Aujourd'hui avait lieu la pesée officielle. Voici le reportage de Stéphane Turcot.
Adonis a jeté un regard cinglant à Williams. Sa tête suivait les mouvements de son adversaire. Le torse bombé, il est passé aux choses sérieuses. C'est ce qu'il nous a dit, en tout cas, en dégustant un plat que son entraîneur lui avait préparé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Il parlait de n'importe quoi, alors. Moi, j'ai continué à le regarder. Il a parlé en premier. Il était impressionné parce qu'il a vu que maintenant, c'est du sérieux. 173,6. Si Stevenson concède une livre à son adversaire avec ses 173,6 livres, Superman croit avoir gagné la première bataille, la bataille psychologique. J'ai vu qu'il a été intimidé. J'ai regardé direct dans les yeux. Hier, je riais. Aujourd'hui, je riais pas, c'est du sérieux. Puis vendredi, c'est encore pire. Il y en a un qui va regarder avec beaucoup d'attention le combat de William Stevenson, c'est Eladair Alvarez, parce que déjà, il est l'aspirant obligatoire à la couronne d'Adonis Stevenson. Et les bruits courent à l'effet qu'il y aurait une confrontation entre les deux d'ici la fin de l'année, en décembre précisément, encore une fois au Centre Vidéotron. Marc Ramsey, l'entraîneur de Eladair Alvarez, n'a pas à lui rappeler toutefois qu'il aura à vaincre Robert Berridge auparavant, un remplaçant de dernière minute et gaucher. Le clan Stevenson a aussi hâte, à condition, bien sûr, de ne pas se faire déjouer vendredi par Thomas Williams Jr. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, le championnat du monde de football. Le championnat du monde de football avait lieu en Chine il y a quelques semaines. L'équipe canadienne des U19 a remporté la médaille d'or. Deux joueurs de Québec y étaient, Samuel Lefebvre et Philippe Robitaille. Samuel, le championnat du monde en U19, est-ce qu'il y a un lien avec l'International Bowl qu'on connaît? Oui, l'International Bowl, c'est l'hiver. Le programme de football du Canada s'en sert comme un peu un training camp ou un camp de sélection pour le championnat du monde l'été. Les États-Unis font la même chose. Au championnat du monde, par contre, on est 7 équipes. Donc, il y a 7 différents pays, dont l'Autriche, le Japon, le Mexique, l'Australie aussi, et la Chine qui était l'équipe hôte cette année. Donc, il y a beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de variétés de football, de différents footballs qui jouent. La Chine, c'est pas une destination commune. Comment t'as trouvé ça? Ah, on est très bien au Canada. C'est sûr que côté confort, c'est très différent. Là. On dormait dans des petits lits, la bouffe est différente, les toilettes sont différentes. Là, c'est complètement différent. Il n'y a pas personne qui parle ta langue non plus, là, donc c'est très compliqué à se faire comprendre. Mais on s'adapte rapidement. Puis quand tu es avec une belle gang de gars dans ton équipe, c'est plus fun et c'est plus facile aussi là, de t'adapter. Le Mexique est une bonne puissance en football au championnat du monde aussi? Oui, le Mexique était très surprenant. Ils sont très physiques. C'est des joueurs là, qui jouent avec... je sais pas si c'est l'énergie du désespoir ou... Ils s'occupent pas de leur corps pendant tout. Eux, c'est des machines à faire mal. Donc, c'est très physique, les matchs contre eux. Au début, tu sais, moi, je m'attendais pas à ce que les Mexicains ils frappent comme ça. Là. Mais après, mettons, un corps, là, notre corps s'habitue, puis... On s'habitue de plus en plus, ça va bien. Et le Mexique était très difficile à jouer là, pour leur cause côté physique. Le championnat du monde de football est une compétition qui a lieu aux 2 ans. Le Canada avait obtenu l'or en 2012, l'argent en 2014. Toujours en finale contre la même équipe, les Américains. Eux, c'est beaucoup plus stratégique. Il y a des athlètes aussi incroyables. Là. C'est sûr qu'ils sont vraiment bons. Puis, en plus, je pense pas qu'ils aient apporté leur première équipe. Là. Fait que c'est vraiment incroyable. Tu dis que ces gars-là, ils vont jouer probablement peut-être une fois dans la NFL. Il y avait beaucoup de coachs qui revenaient de 2014 au Koweït, de l'autre championnat du monde. Il y avait un peu d'amertume d'avoir perdu de la façon qu'ils avaient perdu sur des gros jeux qui font que le match n'a pas vraiment de... n'a pas vraiment le pointage ne représente pas vraiment l'allure du match. Donc, ils voulaient revenir fort, puis ils ont monté un bon plan de match, puis ça a super bien été, on a bien aidé. Lorsque la rencontre se termine, lorsqu'on se rend compte qu'on est champion du monde, quelles étaient les émotions qui t'ont habité?
c'est un peu comme ça te coupe le souffle, tu t'en rends pas vraiment compte jusqu'à la fin. Puis moi, c'est vraiment quand à la fin, notre carrière a pris un genou, puis là, le match était fini, que là, Colin, je suis champion du monde. Il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y a pas d'autre, à part les niveaux professionnels où ce que là, tu vas gagner, tu peux gagner des championnats plus gros que ça. Là. Au football amateur, c'est un très haut sommet, puis c'est vraiment une expérience spéciale. J'avais quasiment le goût de pleurer, là. J'avais des frissons, là. Il devait être à peu près deux pouces de haut, là. C'était incroyable. Là. Jamais je vais revivre ça une fois dans ma vie. Là. Samuel, en terminant, là, l'entraînement se poursuit parce que tu fais maintenant partie de la formation du Rouge et Or. T'es là-dedans en ce moment? Oui, on s'est entraîné tout l'été ensemble au PEPS. Là, c'est sûr que les 3 semaines que j'étais parti en Chine, j'ai pris un break. Mais c'est ça, la gang est super le fun. Puis on est en train de former une belle chimie pour la saison qui s'en vient. Le pilote automobile Michael Grenier est rentré au Québec lundi après avoir participé aux 4 premières étapes de la Coupe Porsche Carrera en Italie. Le 17 juillet, le pilote de Stoneham a terminé 2e, mais une pénalité imposée à son équipe l'a relégué à la 3e position. Grenier, 23 ans, a dû se familiariser avec sa voiture Porsche tout en découvrant de nouvelles pistes telles que celles de Monza et d'Imola. Michael Grenier a obtenu son meilleur résultat de la saison lorsque son équipe Tsunami Racing lui a confié le volant en exclusivité lors de la course la plus longue du week-end. Grenier est de retour chez lui pour quelques semaines avant de renouer avec la compétition en septembre. La 51e finale des Jeux du Québec se tenait dans la région de Montréal cet été et a pris fin lundi. C'est plus de 3000 athlètes de partout au Québec qui se livraient bataille dans une vingtaine de sports. Les quelques 227 athlètes de la délégation de la capitale nationale ont récolté 95 médailles, dont 39 médailles d'or, 21 d'argent et 35 de bronze. Ce résultat les place au 2e rang des médailles au classement général derrière la rive sud de Montréal. Nos jeunes de Québec ont très bien performé, entre autres en cyclisme sur route, où la jeune Simone Boilard a récolté 5 médailles d'or en 5 épreuves. Félix-Olivier Moreau, de son côté, a récolté 9 médailles d'or en vélo de montagne. L'équipe de volleyball féminin est revenue avec une médaille d'argent. Les prochains Jeux du Québec auront lieu à Alma en 2017. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!